La séance de travail entre la CNEI et la DGAE a connu la participation des représentants des partis politiques, de ceux de l'organisation de la société civile et des individualités. À cet effet, les deux partis ont fait le point sur le niveau d'avancement des opérations préélectorales à un mois des scrutins. Il ressort que le processus est suffisamment avancé et que toutes les opérations d'enrôlement et de vote sont presque achevées. Comme d'habitude, à l'orée des élections, la CNEI et la DGAE se réunissent pour évaluer l'ensemble des opérations préparatoires. Nous sommes sortis de là avec une réelle satisfaction, car à un mois de la date butoir des deux scrutins, tout est presque achevé, a souligné Henri Bouka, président de la Commission nationale électorale indépendante. Le président de la CNEI a précisé par ailleurs que d'ici quelques jours, tout sera au point pour garantir des élections transparentes et sans trop de défaillance les 4 et 10 juillet prochains. Henri Bouka a par ailleurs annoncé que dans les tout prochains jours, les deux partis vont se retrouver avec le ministre en charge de l'administration du territoire, Guy-Georges Mbaka, pour arrêter ensemble le plan de distribution des cartes d'électeurs.